Bandeko bomo na photo te juste plateau échangé toyé awa voilà pourquoi na décor à place mususu ba pesi biso mais a pour influence monter quelqu'un que batou ba tikoko sabino batou ba kota na bêtise qui a les droits et qui est cette personne qui peut dire sur ma spiritualité et dire quelque chose sur oyo appartenance ya place oyo nga na croire to ya nzambo nga na croire. Je suis sur une très bonne voie. La communication avec Dieu, c'est faire le bien, éviter le mal, automatiquement. Donc, c'est-à-dire que il faut même pas croire à des charlatans qui sont là uniquement pour n'abat dévier bino et pas décourager les gens qui veulent faire du bien en République démocratique du Congo pour les autres. Ado, vous n'allez pas les décourager, il ne sera pas là dans des bêtises. Vous dire merci, voilà pourquoi je dis toujours un grand merci au PDG Richard Kabala. Il est toujours avec moi, ils sont toujours là pour soutenir. Vous pouvez dire Bosali ou Bosalawana. Si Dieu élève une personne, si sa nation, si la diaspora, Oyoba Sepeli, que Abdou Zalawana, jamais au groupe Moura Bendividi, Yabani Boulkabo détruire ce que la diaspora a construit et pas à Ado Oyo. Oh, quand même, ou bah, Congolais, ou bah, il n'a quand même pas ado. Tu es libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais laisse bateau bah, il n'a pas l'inaka émission. Oh. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mbotavoka, vieux mavo, yondo et l'histoire. Dévotion à Tchouké, le mot de huit à ceci, Bafounouma, Bangouma, Bokalaka, la Genève. Soso et l'élitongo est animo, Ipe, Mobinie, Mopesa, Mouyana, Motonio, Sona, Mopiloyo, Baninga, Tuna, Londa, Mille. Sois sage car j'ai confiance en toi. Yakoko, Paka. Tosa, mais la rapporte toi, la cabaninga, te. Kasi poto kota lula Amede bakayuko Kostika La pointe du savoir-faire Eske banatina Asusu basali bakita na roma koko Asusu basali bakita na roma koko Asusu banyako pera la ilase lase Asusu bakita ni asusu Sylvie Constant, Jean-Claude Fignon. Ma belle, 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 ma bel
Linda, bienvenue. Merci, ça fait plaisir de t'avoir à la maison. Quelle introduction. C'est la meilleure introduction de ma vie, je crois. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. On a un petit rituel. Ouais. C'est de commencer vraiment par tes tout débuts, et même parler un petit peu de ta famille. Donc, toi, tu as grandi à Garges-lès-Gonesse, en banlieue parisienne, originaire de l'Algérie. Et du côté de ton père, eh bien, il y a beaucoup de musiciens. Tu as notamment un oncle qui joue de la musique andalouse. Et puis, tu as un oncle qui est directeur d'un conservatoire. Mm-hmm. Donc, tu as carrément... voilà, t'es né dans la musique, en fait. C'est ça. Du côté de mon père, c'est plus la pratique. Il y a mon oncle, comme tu dis, qui a un conservatoire en Algérie. Et c'est plus des joueurs d'instruments, on va dire. Ouais. Et du côté de ma maman, bah... ils aiment la musique aussi, mais c'est plus en mode ambiance, tu vois. Ils en profitent. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui en profitent. Exactement, tu vois, c'est ça. Et ça joue quel instrument ? Del bouca, piano. Guitare, enfin tout. En tout cas, depuis toute petite, t'es quand même déterminée, très focus. On va regarder quand même une petite vidéo parce que tu t'inscris au casting de Graines de Star à l'âge de 8 ans et c'est du caviar. Allez. Linda, c'est magnifique. Linda Régal, j'ai 10 ans, j'habite à Garches, dans le Val d'Oise. Ma passion favorite est le chant. C'est pour cela que je veux participer à Graines de Star. Je veux vivre le grand amour, la passion des premiers jours. Je veux aimer recevoir en retour. Ouais, c'est du flow. Je veux savoir si ça existe toujours. Aïe! J'adore! Non, petit déhanché, comme ça. C'était comment? C'était Kayla. Je veux vivre le grand amour. C'est Kayla. C'est Kayla. Kayla, voilà. Ça, c'est chouette quand même, à cette époque, déjà, d'être soutenue par ta famille. Ouais. Tu fais tes vidéos YouTube, tu fais beaucoup de reprises. Et puis, en fait, un groupe qui est juste légendaire et qui, en plus, à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, était... au max de son game, la section d'assaut te repère sur Internet. Tu vis comment ça à l'époque ? C'est lunaire quand même. C'est lunaire, c'est vrai, mais tu sais, je suis vraiment une personne qui vit au jour le jour et qui capte pas forcément les choses directement. Genre, ce qui m'arrive, je vais pas le capter maintenant. C'est par exemple quand je vais être dans mon lit ou je sais pas, ou des mois après, je vais me dire, ah, mais quand même. C'était une dinguerie. Ouais. C'est vrai, j'ai fait un truc de ouf, là. Ouais. Je suis tombée, comme tu dis, dans le Ouattibé, dans la section d'assaut, quand ils étaient vraiment à leur apogée, donc c'était vraiment un truc de ouf. Je savais que ce que je vivais, c'était un truc de ouf, mais c'est vraiment petit à petit. Vraiment, je vivais les choses comme elles venaient. Mm-hmm. Du coup, j'avais pas le temps de réfléchir à tout ce qui m'arrivait. Une pression énorme, parce que tu te retrouves quand même à faire... les premières parties de la section, tu fais les tournées de Zénith, tu fais les premières parties de Black M, de Gims. Comment, d'un seul coup, parce que là, c'est pas, tu te retrouves pas pro et jeune ado qui chante dans sa chambre, tu te retrouves à enregistrer un album et à y aller doucement et à écumer les petites scènes. Ouais. Tu te retrouves à faire les plus grosses scènes de France du jour au lendemain. Comment tu gères ce stress et comment tu gères ce moment ? C'est vrai que c'était incroyable. C'était incroyable. J'étais à mes cours de maths. La veille, j'étais sur le Zénith de Nantes et le lendemain, en cours de maths. Donc, c'était compliqué par rapport à ce niveau-là. Ouais. Je vivais une vie de star alors que j'étais pas une star. Tu vois, je faisais des trucs de fou. J'allais chanter devant un public qui n'était certes pas le mien. Mais qui connaissait des chansons quand même, pour le coup. J'arrivais à les prendre avec moi. Parfois, c'était compliqué parce que ces gens-là, ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus voir Black, ils sont venus voir La Section, ils sont venus voir Gims. Donc, c'est toujours délicat, les premières parties. Mais j'aime tellement la scène que moi, j'ai kiffé, tu vois. Mmh. Et voilà, j'ai réussi à faire kiffer les gens aussi avec moi. Et puis depuis toutes ces années, bah, y a des gens qui me suivent par rapport à la tournée, etc. Et c'est vrai que j'en ai même un peu oublié mon album. Mmh. C'est pour ça que ça a mis du temps. Mais si c'était à refaire, je le referais. T'as laissé un bon souvenir, voire un souvenir impérissable à certains. Bah, j'espère. Qui avaient envie de te passer un message. C'est vrai. Un certain artiste comme ça, ouais. Comme ça, un message. Hey, Juliette, hey, yo, Linda. J'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir quel est ton plus gros souvenir en concert, en tournée avec toute la troupe. Voilà. Dis-moi tout. Il est dur. Hi, Black M. Black, Alpha, merci, frérot. merci. Et Léa, big up à Léa, parce que Léa a géré la lumière, je pense, le son. T'étais très beau, tout va bien. Qu'est-ce que tu réponds à Black M? Ah là là, c'est très, 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 très compliqué.
chaque date, c'était quelque chose de ouf. Peut-être ma première grande scène à Nantes. Au Zénith de Nantes, Bruxelles aussi. T'arrêtes pas, t'enchaînes, comme tu dis, t'es une hyperactive. T'as sorti ton premier album, Papillon, avec des poids lourds. C'est juste, c'est le festival de Cannes, en fait, du rap game. Black M, Fianso, Soul King, Eva, Dadju. Ouais. Comment tu vis cette nouvelle expérience? Alors, j'attendais que ça. Depuis des années, j'attendais que ça. C'est vrai que d'être toute seule, dans l'ombre de personne, parce que finalement, même si on le voit pas, bah, j'ai quand même été... un peu dans l'ombre, même si j'ai fait des choses dans la lumière, comme les zéniths, etc. J'étais pas une artiste toute seule à part entière, tu vois. C'était vraiment Linda du Watibé, Linda, tu vois. C'était ton nom de famille, carrément. Donc, voilà, c'était Linda Watibé, voilà, exactement. Et de m'imposer en tant que Linda qui vient seule, avec son Linda album. Linda de toi-même, Linda voilà. Linda de moi-même, qui vient seule, qui arrive avec son album, que les gens aussi attendent depuis des années, qui ont grandi avec moi aussi, ça fait du bien. J'attendais que ça. Je voulais, c'est un test, c'est un cadeau pour moi, pour eux. C'est des années d'attente, etc. Donc oui, ça m'a fait du bien. Tu fais beaucoup d'associatifs et d'humanitaire. Tu fais pas mal de maraudes. À travers tes réseaux sociaux, tu identifies des étudiants, des jeunes qui sont dans le besoin. Certains ont besoin d'un ordinateur, d'autres ont besoin d'un téléphone, d'autres ont besoin d'aide pour les transports. J'aimerais que tu me parles de cet investissement personnel et de cet engagement, parce que c'est pas rien. J'ai toujours voulu travailler dans le social, mis à part la chanson. Je me suis dit, la chanson, c'est un truc en plus qui va venir ou pas. Mais en tout cas, j'ai toujours travaillé dans vouloir aider, être dans le social, etc. Donc, c'était très important. Et du coup, quand j'ai signé chez Watibé, etc., j'avais plus forcément le temps. J'ai eu mon bac et je voulais faire une formation d'EduxPé. Et j'avais pas le temps de concilier la musique et la formation. Donc j'ai dû choisir un camp. Du coup, je me suis dit, bon, plus tard. Et c'est vrai qu'avec la musique, ce qui est bien, c'est que j'ai pu aller faire beaucoup d'associations, aller dans les lycées, dans les collèges, rencontrer. Utiliser la notoriété pour donc j'avais quand même ce lien. J'avais quand même ce lien avec les jeunes, les ados, les enfants. Et puis d'aider son prochain, c'est ce qu'on m'a toujours inculqué. Ma mère la première. Et bien sûr, avec ma notoriété, le peu de notoriété que j'ai, j'essaye d'amener les gens avec moi. Et ma communauté m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi, surtout pendant ce confinement et ce ramadan. M'a beaucoup aidée à aider les autres. Quel serait le message universel que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous suivent? Le message que j'ai à passer, tout vient à point à qui c'est attendre. La patience, soyez vous-même. Vraiment, prenez un message vraiment de paix, soyez tolérant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, soyez tolérant. Yes, merci beaucoup, beaucoup, Linda. Merci pour cette invitation, merci Juliette, ça me fait un plaisir de te rencontrer. Eh ben, écoute, le plaisir est pour moi, t'es la bienvenue, t'es à la maison. Merci beaucoup. T'es la bienvenue, merci vraiment. Beaucoup. La famille, vous connaissez la chanson. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur le YouTube de Légendes Urbaines et sur les réseaux sociaux pour voir l'émission en intégralité. N'oubliez pas que l'album Papillon de Miss Linda est dispo. Et en plus, l'album déchire pour de vrai, 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 vrai. Allez vous connecter, c'est une vraie go. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, et bien comme d'hab, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. On love la famille. One love, Linda. Merci beaucoup. Merci, Juliette. Yes. Kanzela ya mpoto, toko mimpoto Ashanje na yebiza Arwo, Kadif Koulibaly Olivier Lounianga, Titi double CD Na yeba ki yabo ete, oko miko baby sanga mote mahe Komuze a confirme yo, na lista bable ya Paris Oko sanike, ozali na mwasi nandako Oyo koso pipe na ye, na kacha libota na yo Jean-Jacques
passé. Oh, 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 Bitumba, oh, Bazola, Yababa, eh. Et Patrick, Pakore. Nadula qui mané non tingi. Grèce en fin bambouté. Dia, je m'en oukaye. Chadi Pazou, et Kiro Mafouta. Papa na Jonathan, gifle wa ntambo. Nga iko na benga kaya na bakombo nyoso ya bolingo. Na benga mi amore, Willy Mushenye. Erventye lele blanzo la botale langa likambo. Meno ya sangwe singa ye, mikolo ya mbongo na ye. Kwa na soki ne fane jame, aja rime. Mama
soir, les L.E.J. pour Lucie, c'est vous, Elisa et Juliette. Le public vous a découvert en 2015 sur Internet avec vos reprises et une vidéo qui a été depuis visionnée par 74 millions de personnes, en tout cas 74 millions de vues. Quelques années plus tard, vous revenez avec 12 chansons inédites. L'album Poupée Russe est sorti hier. Ce titre, c'est aussi un clin d'œil à Alain Bachung. Oui, il y a une phrase qui est clin d'œil à Alain Bachung et qu'en fait à double sens parce que le fait de dire on prend des trains à travers la plaine, évidemment c'est une référence à sa chanson La nuit je mens, c'était logique vu qu'on parle de la nuit, et à la fois il y a le double sens de nous on prend des trains à travers la plaine Saint-Denis, on prend le RER tout le temps. Donc, ouais, c'est de vos références à Alain Bachung aussi. Ouais. Hein. Ouais. Alors je le disais, vous étiez surtout connu pour vos reprises, cette fois ça y est, vous avez votre propre album, c'était important pour vous de prouver que vous étiez aussi capable de créer vos propres chansons? Oui. C'était, ouais, c'est vrai, c'était important. Après, on n'est pas, c'était pas forcément pour prouver quoi que ce soit. Notre album de composition, on voulait le faire depuis longtemps. Mais il est attendu. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, oui, bien sûr, on est contente et on a hâte d'avoir les critiques. Et c'est un challenge qui est autre que faire des reprises. Mais voilà, on l'avait en tête depuis bien avant que ça marche pour nous, quoi. Ouais. Et en quoi il est particulier cet album? Bah, c'est nos propres tripes qu'on met sur la table, en fait. C'est pas le même process et du coup, forcément, c'est pas le même résultat. Et on a tout composé, la musique, les paroles, en français du coup. Oui, je rappelle que vous êtes aussi musicienne, vous chantez, mais vous êtes aussi musicienne. Oui, ouais. Ça. Alors, l'album s'intitule Poupée Russe. C'est vous en fait, hein, les Poupées Russes. Oui, vous êtes inséparables. Vous vous définissez comme un trouple. Ouais, vous c'est vrai qu'on a dit ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un trouple? Un trouple, ouais, j'ai dit ça hier dans Le Parisien parce que c'est un couple, mais à trois, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on fonctionne un peu comme ça. Je pense qu'il y a les mêmes... Ouais, les mêmes enjeux, les mêmes disputes, le même amour qu'entre deux personnes, sauf qu'on est trois et on est amis, mais comme mais des sœurs. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tout est mélangé avec le côté musique, le fait qu'on soit collègues et amis. Et voilà, ça. Oui, vous êtes connues toutes petites, hein, d'ici à la crèche. Ouais, ouais. C'est ça. Après le lycée ensemble, et puis. C'est ça. Et puis maintenant, on est. Inséparables, imbriqués aussi. Oui. Imbriqués. Ah bah, oui, complètement, complètement. Ouais. C'est impossible qu'il y ait un événement qui touche une seule des trois sans que les deux autres réagissent derrière, en fait. Ça explique votre harmonie, j'imagine. Je pense, ouais. Ouais. Alors, votre univers, c'est un mélange de hip-hop, de rap, de rythme urbain, de musique classique, de chansons françaises. Votre album, c'est un hommage à toutes vos influences, à vos influences. Oui, c'est ça, c'est comme ça que vous le vouliez. C'est un hommage et en même temps, c'est les reprises, on était très contentes de les faire pour voir jusqu'où on pouvait aller avec des voix et un violoncelle et chercher notre style et justement mélanger toutes ces influences-là, d'où les mash-ups et d'où rappelez-vous mélange... si c'est un mash-up pour les téléspectateurs. C'est un mélange de chansons, enfin voilà, c'est plusieurs chansons qu'on met dans une seule chanson et à chaque fois on avait des influences différentes et donc là c'est vrai que c'est sur cet album, en fait, cet album, c'est un mash-up géant de toutes nos influences. De toutes nos influences. Après, c'est vrai que les premiers albums, en général, on a envie de tout mettre et de montrer tout ce qu'on peut ou tout ce qu'on sait faire. Donc, oui, parce qu'il est éclectique, hein, justement. Ouais, il a assez. Tant mieux. Tant mieux. Très beau compliment. Merci beaucoup. Alors, vos chansons parlent de la société d'aujourd'hui, de l'addiction aux réseaux sociaux, du danger du buzz, du féminisme. Vous dites, entre autres, quoi, sous prétexte qu'on est belle, faudrait être poli, Esther. Quel est le message? C'est le on général. Oui, c'est pas nous. C'est le on général de la femme. Après, on est des femmes, donc forcément, on écrit comme des femmes. Et ce message-là, c'est plus, je pense, ce qui se passe pour un peu tout le monde, en tout cas, peut-être beaucoup dans le milieu artistique. Quand on est une femme, on a beaucoup ce truc de « sois belle et tais-toi », en fait. Dès qu'on s'engage un tout petit peu quelque part, ou qu'on a un mot un peu plus haut que l'autre, ou qu'on paraît soit trop sûre de nous, soit trop heureuse peut-être d'être là. Non, non, fais ton métier, sois belle et tais-toi, maintenant. Et du coup, il y a le petit jeu de mots « poly » et « se taire » et « polyester » plastique, quoi. Mmh. Poupée. Alors, c'est quand même un album assez engagé. Il y a quand même quelques chansons qui sont engagées. Marée, par exemple. La Marée. Mmh. Vous m'en parlez. Ouais. Vous aimez bien cette chanson. Hein, c'est votre préférée, ouais. Vous. Ouais. Ouais, j'adore cette chanson. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on a pas forcément les mêmes interprétations pour les chansons. Pour moi, La Marée, c'est un peu une migration intérieure. Et en même temps, c'est une chanson qu'on a écrite juste après les attentats du 13 novembre. Donc, c'était un moment où, ouais, on avait peur. On avait peut-être moins envie de sortir. On avait peut-être envie de quitter, quitter Paris, quitter ce pays, et en même temps, c'est un peu un... Ouais, c'est un peu une chanson qui dit que, enfin, en fait, je pense qu'on se dit à nous-mêmes. Après, c'est vrai que, comme dit Lucie, on aime bien le fait que les gens puissent s'approprier les textes de façon différente et les interpréter comme eux, ils ont envie de les interpréter. Mais c'est vrai que cette chanson, c'est de se dire, pour l'instant, nous, on n'a pas ce besoin vital, en fait, de quitter notre pays pour rester en vie. On n'en a pas besoin. On a la chance de vivre en France. Mais voilà, quand il s'est passé tous ces attentats, depuis qu'il y a une guerre idéologique qui prend le dessus, forcément que les gens se mettent à flipper et on se demande, mais est-ce que le jour où nous, on devra partir,
peut-être que là, on comprendra vous que... Avez, oui. Mais vous avez raison, ça donne... on peut l'interpréter autrement. Moi, ça m'a fait penser aux migrants, par exemple. Ouais, oui, c'est ça. Alors, vous vous êtes connue petite dans la même rue à Saint-Denis, vous y vivez encore. Mm. C'est aussi dans cette vie que vous puisez votre inspiration. Ouais. C'est ouais, et c'est tout là le paradoxe. C'est une ville qui bouge, qui est dynamique. C'est ça. C'est, et puis nous, on a grandi toujours à Saint-Denis, mais on était en horaire aménagé dans des écoles à Paris. Donc en fait, c'était aussi tout le paradoxe de venir de banlieue et d'être à Paris. On était trop banlieusarde pour les Parisiens et trop parisienne pour en banlieue. Donc c'était tout ça. Et c'est vrai que les influences hip-hop, rap, slam, on les a puisées évidemment à Saint-Denis. Ouais. Et puis après... Encore malade notamment, oui. Ouais. Alors, j'ai une faveur à vous demander pour nos téléspectateurs. Vous pourriez nous offrir un bout de refrain a cappella d'une de vos chansons? Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Okay. La vie défile vite, on s'épuise à trop se battre, viens, on défile vite. Acrobate, la vie défile vite, on s'épuise à trop se battre, viens, on défile vite, acrobate. Ouais, vous avez vraiment de la complicité, comme des sœurs, je confirme. Alors, merci pour ce moment. Ravie de vous avoir reçu. Information pour vos fans, vous êtes en concert à partir de septembre prochain et le 26 octobre à Paris, salle Playel. Tout le monde est levé, les mains dans la piste, ce sont tous en scène, le number one. Black and white, man, les cigarettes uniques, tout le monde a le droit de jubiler. Ça me dit quelque chose parce que j'ai connu un grand chanteur dans tout puissant hockey jazz. Il y a grand maître Franco, puis il y a son âme, qu'on appelait Tessa d'Alias. Est-ce que simple coïncidence ou parce que tu chantais tellement bien qu'on t'appelle, tu t'appelles Christelle Tessa ou réellement, tu fais partie de cette famille?
c'est mon père, je suis la cadette de papa de Tessa Daliès. C'est ton père biologique? Oui. Wow. Père. Son père est mort il y a de ça plus de 20 ans. Ok. Donc voilà, je te confirme que je suis sa fille, sa cadette. Alors, au permettre, Bisso, parce que c'est vrai, l'émission est qui est dans le contexte, c'est Moussous, parce que je suis là pour honorer ces grands noms. Mm-hmm. Parce que Wanande Bazalaki, chanteurs, qui ont tracé aussi l'histoire de la musique congolaise. Je sais que ça ne sera pas facile de parler d'un homme mm-hmm. qui est tout pour toi. Parce que c'est grâce à lui que Youssou existait charnellement, comme on dit. Est-ce que tu peux nous parler de ton père? Est-ce que tu es né où, à Kinshasa? Non, à Bruxelles. À Bruxelles? Mm-hmm. Tu as grandi, tu as passé ta vie ici. Oui. Neto Bamouana Bakoto. Mm-hmm. Alors qu'il était dans OK Jazz mm-hmm. avec Franco, est-ce qu'on t'a raconté son histoire ou tu as vécu aussi une partie de son histoire? On m'a raconté son histoire. Parce que moi, j'ai vécu avec lui à Longwa qui est déjà OK Jazz, parce qu'il est déjà Awa. Donc moi, je suis née pendant qu'il avait déjà quitté OK Jazz. Il était dans le Grand Maquisard. Il avait créé un peu son orchestre ici avec quelques artistes de Bruxelles. Mais sinon, la Epic Aoutina à Frisa. Après, à Frisa, il a fait Grand Maquisard. Après, il a fait Grand Maquisard. Il est parti dans OK Jazz. OK Jazz à Zongelissou Maquisard. Je sais qu'il était chez Jeannot Bombenga. C'était son mentor. De l'histoire, en tout cas, que je sais de son parcours, c'était ça. Ok. Oui. Et pourquoi il s'est installé en Europe? Il s'est installé en Europe parce que le grand maître... Lambomaki a dit, en gros, il a dit à tous ses artistes que voilà, c'était en 84, il leur a dit écoutez, là, moi, je suis malade, je suis en fin de vie. Donc, ceux qui veulent venir en Europe, ils prennent leurs femmes et leurs enfants, Boulandanga, en Europe, ce sera le dernier voyage. Et c'est comme ça que mes frères et ma mère, et les papas, c'était Papa Joski avec les Madé, maman avec la femme de Papa Joski, en fait, quasiment tout l'orchestre. Hein. Mmh. Bayaki Poto, ceux qui ont aimé, ceux qui ont préféré rester sont restés, ceux qui ont préféré rentrer sont rentrés. Comme le papa Joski, père son âme aussi, il est rentré, il a préféré rentrer au Congo pour finalement faire leur orchestre Banaok avec Papa Lutumba. Donc selon l'histoire, son patron savait déjà qu'il allait quitter ce monde. Oui. Et la prise en charge Naemoko a proposé Bango que à faire voyager. Tout à fait. Bango Nabasi Nabana. Tout à fait, Nabana, oui. Ça s'est passé comme ça. Wow. C'est une partie de l'histoire que beaucoup de nous ne savent pas. Parce qu'il y a ses chansons, Yebi, il a écrit des chansons telles que... Telles que Mouzi. Bien, okay. On a respect. Tantine, Jaria. Encore, il y en a tellement, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense que celle-là, tu la connais. Oyanga kitoko yakobota mai nayaki nangai pona binao adoya elingai alula kingai pona kolatai atuna tena nyasala kama soko na zoa kabule ngai mavatai nasaka mana timwanda mbwa musulu na boy na ngai basalela ngai kero.
À son âme. Et je pense que il doit être fier de toi. J'espère. Et à ton âge, tu sais déjà tellement narrer bien son histoire. Et je comprends qu'il y a tellement de l'émotion que je ne souhaiterais pas qu'on en parle peut-être plus. Un jour, Soginazu, collègue Némoussousou. On va plus en parler. Voilà, je t'épargne un peu de ça, hein, pour que tu gardes un peu le humeur, na yon ambiance, il y a bien na émission. Christy Lova. Pourquoi Christy Lova? Christy Lova, parce que déjà toute jeune, je m'appelle Christelle. Du coup, quand j'ai commencé à grandir en secondaire, mes copines et mes maîtres m'appelaient. Christelle était toujours pleine d'amour. Cricri d'amour. On m'appelait Cricri d'amour avant. Cricri d'amour. Pour l'amour, à mon néné, naza. Donc, du coup, après, quand j'ai grandi, je me suis dit, quand j'ai commencé la musique, je me suis dit, pourquoi pas Christy Lova au lieu de Cricri d'amour. Christy Lova. C'est juste pour ce grand cœur. Oui. T'es sûr? Ce grand cœur en famille. Un grand cœur plein d'amour, que ce soit en famille, en amitié, en tout. En tout? En tout. Qu'est-ce qui manque pour compléter? Qu'est-ce qui manque pour compléter quoi? Le tout. Le tout? Oui. I don't know. Hein? I don't know. Mais non, mais tu as caractérisé en famille. En famille, en amour, en amitié, en tout. J'ai un grand cœur, je suis pleine d'amour, je donne de l'amour, quoi. Oui, bien sûr, on commence à énumérer. Tu as parlé de la famille. Qu'il s'agit de la famille restreinte ou élargie. Tu as parlé de l'amitié. Entre collègues, camarades. En tout. Collègues, camarades, famille restreinte, famille éloignée. Ouais. Je suis une boule d'amour. Copain, copine aussi? Oui. T'es sûr? Bien sûr. T'es un genre de femme? Un genre de femme douce, folle. C'est vrai? Toxique. Waouh. Je suis une psychopathe. Il ne faut pas se fier à ce petit visage d'ange. I'm a psycho. Christy Lova. Je dis que la vérité, hein. Tu sais, c'est l'autre sali casting qu'on allait inviter à l'élo parce que je me suis dit, il faut tout changer l'image, moi, tout découvrir. Et surtout, je suis sûr, on a eu complexe et aux alatés. Parce que mon nid, de rébellion, c'est pas mal. Aujourd'hui, peut-être, quand on est en Afrique ou en République démocratique du Congo, par rapport à la réalité, à la vie, tu n'as pas dit maramakambo, peut-être pour Naraka, peut-être pour Poto. On a eu tout découvrir. Mon amour à Poto, plus les solo naïe, je ne sais pas si on doit parler seulement des F-victimes. Ou de ton histoire avec Fally Poupa. On doit lier ça à quoi? Ton histoire avec Fally Poupa. Après, elle victime ou ton histoire avec elle victime? Hey, Yahweh! Yo, quel amour pour le bonheur de tous! Yahweh! Pourquoi par n'arrêt comme un cadeau empoisonné? N'a pas comprendre rien! Ma loba qui trop, mais ma salimoke! Ma mi pèse ma note, mais ma souki n'a zéla! Ma souki wapi!
Babi à l'étranger. Comprenez la suite. Vatican est très méchant à Mimito. Système escalator toujours, tout ça dégoût mais tout ça comme français. C'est la Lilila, les Kamaïmona, la Sangomone Lilila, mon commissa bongona, ma cinéma, la image est naïe, mon coma panoche, la mission mangaïwa, passe mon niveau pour y battre, c'est la lobby cotoliwa, kawaïoui, la porte de confond de Vazela. La Sili Sakaposa, main à l'autre côté, à tout beau type, ma salle. Bye.
Toronto.